Pierre Véran, vous êtes un des membres de la communauté de l'Arche à Saint-Antoine-l'Abbaye, dans l'Isère. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette communauté ? Alors, il s'agit d'une communauté de couple qui a été fondée par Lanza del Vasto à l'origine en 1948. Et plusieurs communautés ont été fondées par SMH depuis cette communauté mère. Et nous sommes une communauté petite fille de la première communauté qui était à la Borinoble. Alors ici, dans cette communauté où il y a 15 engagés et une cinquantaine de personnes qui y sont rattachées, quels sont un petit peu les objectifs que vous poursuivez qui sont en fait ceux de l'Arche ? Répandre la non-violence, essayer de faire en sorte que les gens puissent régler leurs conflits autrement qu'avec des coups de fusil ou des coups de barre de fer. Ou des armes tout court, et ça c'est la base. Aussi l'approfondissement spirituel, enfin la fraternité, enfin la convivialité, c'est toutes les... Comment se vit cette dimension spirituelle dans la lignée d'un Lanza del Vasto qui a lui-même, en tant que chrétien, été en contact avec Gandhi, donc hindou. Je crois qu'ici, différentes spiritualités se côtoient. Cette communauté-là a la particularité d'avoir une base chrétienne, mais bien sûr, on accueille des gens qui ne sont pas chrétiens. On a aussi dans notre cursus de formation, enfin disons de nourriture spirituelle, on fait des retraites chrétiennes évidemment, mais on fait aussi des retraites avec temps avec un imam ou avec un bouddhiste, un moine bouddhiste. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu aussi un rabbin juif. Enfin voilà. Et dans la semaine, il vous arrive de prier dans ces différentes traditions ? Ah, ça c'est régulier. Ça. Donc le lundi pour les hindous, le mardi pour les musulmans, le mercredi pour les chercheurs de vérité, le jeudi pour les bouddhistes. Enfin, en union avec plutôt que pour. Voilà, c'est en union avec eux. Une des activités qui concrétise ces objectifs que vous poursuivez, c'est la formation, avec l'accueil de stages importants. Alors on héberge des stages, ce qui fait que les gens fréquentent la maison et assez souvent sont touchés par le fait que dans cette maison, il y a une communauté. C'est pas seulement une équipe de gestion, c'est un peu plus, c'est une communauté. Et on observe que les gens sont touchés par la présence de la communauté, par le côtoiement avec la communauté. Le fait qu'il y ait des adultes, des enfants, des personnes mariées, des personnes célibataires, finalement, on est heureux ? Ah oui, je trouve ça équilibrant. J'ai eu mes enfants petits ici, bon, ils ont grandi maintenant, j'ai plus d'enfants, mais il y a d'autres enfants qui sont là, avec d'autres enfants de parents plus jeunes. Je suis très content d'avoir encore autour de moi des enfants, alors que moi j'ai déjà 62 ans, donc j'ai plus l'âge d'avoir des enfants de très bas âge. Ça, c'est équilibrant, je trouve.